Alors, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Donc, aujourd'hui, je suis seul. Il n'y a pas mon collègue Pierre, mais je suis accompagné de Quentin. Donc, le but du podcast, comme vous avez pu le voir, on a fait des capsules, etc., plusieurs formats. Et là, aujourd'hui, c'est un format un petit peu différent qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire on veut interviewer des personnes qui sont dans le milieu du sport, dans le milieu de l'endurance, etc., pour toujours apporter cette pierre à l'édifice et des réponses aux questions auxquelles on se pose, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement, mais aussi la préparation physique ou la préparation mentale, etc., le sommeil. Et là, aujourd'hui, on a Quentin avec nous, qui est coach et qui est spécialiste en tout ce qui est préparation physique, musculation, crossfit, etc., etc. Donc, il va se présenter. Je suis content de l'avoir. On se connaît depuis un petit moment, puis on échange quand même relativement souvent ensemble. Donc, écoute, Quentin, je te laisse te présenter. Tu nous expliques un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et voilà, tout simplement. Écoute, merci pour ton invitation. Moi, ça me fait super plaisir en tout cas. Et moi, du coup, c'est Quentin, j'ai 24 ans et du coup, je suis coach sportif depuis 5 ans. Je suis dans ma 6e année. Donc voilà, j'ai toujours fait ça, passionné par le sport et tout, avec plein de sports différents. J'expliquerai ça après. Donc moi, je fais du coaching perso. J'ai ma box de coaching en fait dans le nord de la France. Donc j'interviens avec des sportifs ou non pour les aider soit à perdre du poids, soit à gagner en muscle. Et là dernièrement, en fait, en accompagnant par exemple des trailers dans leur prépa physique sur tout ce qui va être prévention blessure ou alors vraiment de l'optimisation un peu de performance là-dessus, quoi. Je ne m'occupe pas trop du côté vraiment prépa course à pied. Là, ils sont avec leur coach, avec leur club, mais c'est plus à côté avec tout ce qui est renfo, muscu derrière, quoi. Donc là-dessus, quoi. Donc ça, tu fais ça depuis combien de temps? T'as dit 4-5 ans, alors Et ben c'est... c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis dans ma 5e année, c'est ça. 5e année diplômée, donc 6e avec l'entraînement, le stage et tout. Donc ouais, 5e année. 5e année là-dessus. T'as tout de suite démarré donc à ton propre compte directement ou t'as travaillé pour une structure? C'est ça. En fait, j'étais tout le temps à mon compte et il y a eu une petite période de 2 ans de mémoire où j'ai travaillé à mon compte et en salle de sport. Mais j'étais tout le temps à mon compte là-dessus. En tout cas, les coachings, tout le temps à mon compte. La salle de sport, c'était de l'accueil, de la vente, d'abonnement et tout. Un peu comme tous les coachs au début. Et après, voilà, on choisit notre voie, on se spécialise un peu dans ce qui nous plaît, quoi. Et donc du coup, tu as fait quoi comme cursus de diplôme alors du coup? Eh bien, écoute, juste après le bac S, moi, je suis parti en STAPS, donc en fac de sport. J'ai fait 1 an. Et à l'époque, tu pouvais pas trop encore être coach sportif avec STAPS. C'était plus prof de sport ou alors avec les kinés et tout. Donc, du coup, moi, j'ai dévié vers un BPJEPS. Donc, voilà, un brevet professionnel, mention haltérophilie musculation. J'ai pas fait de cours collectif parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, j'aime bien vraiment l'individualité de chacun, coacher chaque personne, pas un gros pourpo. Donc, j'ai passé juste la mention haltérophilie musculation. Et ça, c'est ce que tu as besoin en France pour coacher. Et après, j'ai passé plusieurs formations complémentaires. J'ai passé le CrossFit niveau 1, j'ai passé un diplôme en prépa physique, en nutrition, j'ai passé la prépa mentale. Voilà, après tout ce qui tourne autour voilà, de l'optimisation de performance, vraiment c'est un sujet passionnant, quoi. Donc, Bah exactement. Mais aujourd'hui, tu accompagnes, enfin, quel type de personne et plus sur quel volet, plus sur la préparation physique, parce que là, tu parlais de nutrition, de préparation mentale, etc. C'est davantage quand même sur la préparation physique que tu accompagnes des personnes? c'est davantage la perte de poids, de la remise en forme, généralement. Et là, il y a un petit groupe qui se crée avec de la prépa physique pour le trail. Donc, tourne là-dessus. De toute façon, tout va en lien avec, quoi. Mais ouais, on va dire ça. Il y a 70% de remise en forme, perte de poids avec et tout ça. Et on va dire 30% avec de la prépa spécifique. Soit trail, soit même course à pied, piste. J'ai des clients là-dessus aussi. Du steeple, de la route. Voilà. Tu as combien de personnes à peu près en accompagnement comme ça? Et ben, par semaine, ça tourne environ à 40, 35, 40 personnes semaine Ah ouais, quand là-dessus. même. Donc, les amplitudes horaires sont costauds. Mais bon, après, quand c'est du plaisir, donc c'est du travail. Oui. Mais
on ne voit pas trop le temps passer, quoi. Tu peux vite faire un 8-22 sans t'en rendre compte, quoi. Tu cales un entraînement dedans et puis la journée passée, quoi. Donc, ok, bah super, super. Ouais. Bon, bah on sent que tu es passionné par ça, c'est ça le principal, en gros. Mais j'aimerais que tu... Parce que moi, je connais un petit peu ton parcours sportif, tu vois, au-delà du parcours professionnel et d'accompagnement que tu fais. J'aimerais que tu expliques un petit peu, enfin, tu parlais là de trail, et justement, moi, je sais que, enfin, on s'est connus au club d'athlétisme qu'on a fréquenté ensemble, et je te voyais sur la piste faire des gammes, etc., sur des distances assez courtes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a expliqué un petit peu à un moment donné ce changement-là? Parce que tu étais parti dans une voie vraiment athlétisme pur. Et donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais déjà en athlétisme et pourquoi tu as changé après. Eh bien, écoute, c'est assez simple. Donc, j'ai fait plein de sports pour essayer de me chercher. Puis, je suis revenu dans l'athlétisme. Il me semble que j'ai fait 8 ans. J'ai fait 7 ans à l'Esti, notre premier club, là où on s'est connus. Et puis, 1 an à Metz. Alors, j'adore la compète. Je suis super compétiteur. Donc, du coup, je courais pour battre des records. Donc, c'est ça. Donc, je me suis bien entraîné. Je remercie. Tu étais sur quoi comme distance, du coup? Alors, j'ai commencé par du 1000 mètres. Quand j'étais en minime, là je ne m'entraînais pas encore sur spécifiquement le 1000 mètres, je faisais un peu tout comme tout le monde en minime. Et après, dès que je passais cadet, je faisais du 800 mètres, 1500 mètres et surtout les crosses. Surtout les crosses. On va dire que là où j'avais les meilleures, on va dire, performances, hein, sans être un pro, hein, un bon amateur, c'était vraiment sur les crosses. Les championnats de France de cross, ça c'était vraiment l'objectif de la saison. Et on faisait de la piste derrière, quoi. C'est toujours plaisant, mais je préférais le cross déjà. Un peu la nature, la boue, la. Voilà. Ok. T'as eu des résultats quand même sur des crosses, ouais? Ben, les crosses, je me souviens que la dernière année, j'ai fait, il me semble, 53e au France de cross. c'était ça, c'était en junior. Ouais, c'était ça. C'était en junior, j'ai fait 53e. J'ai fait 4 fois les France de cross, il me semble. Et après, sur piste, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait 1,57 sur 800 et 4,03 sur 1005, quoi. Donc, ouais, ça commence à causer, quoi, déjà. Ouais, voilà, c'est un peu l'entre-deux, quoi. Tu es toujours amateur, mais on va dire un bon niveau, ouais. Quoi. Mais loin de là d'en vivre, quoi. Hein. C'est du plaisir, toujours, quoi. Du plaisir. Et du coup, tu t'entraînais combien de fois par semaine Pas tellement. Ça, c'est ce que m'a appris Patrick, mon ancien entraîneur. 3 fois semaine. Et après, on était sur... 4 et 5 si on rajoutait un petit footing de récup, mais pas plus, pas plus. Vraiment, ça, je le remercie tout le temps de m'avoir appris ça, que vraiment le surentraînement, ça ne sert à rien et que vaut mieux vraiment la qualité sur 3, 4 séances, voire un petit vélo ou une petite course à pied en récupérer, que de charger à 10 entraînements semaine. Tout à fait. Surtout avec notre niveau, quoi. On n'en vit pas. Ouais, et puis tu avais les études, donc une charge mentale aussi de côté, donc c'est compliqué de tout gérer des fois, quoi. Ben, la meilleure saison, là où je fais 53 en France, et tous mes records d'ailleurs, 800, 1005 et tout, c'est l'année du bac. Donc forcément, il y avait tout. J'étais peut-être un peu plus dans l'athlé que dans le bac, mais bon, j'ai réussi à associer les deux, ça s'est passé, quoi. C'est vrai. Et derrière ça, je suis parti en STAPS et du coup, je suis parti à Metz parce que du coup, je m'entraînais tout seul. C'est un peu dur de s'entraîner tout seul. En plus, si mes souvenirs sont bons, j'avais qu'une piste en béton. Un peu compliqué. Donc, j'ai rejoint la deuxième. Super club, super ambiance et tout. Mais là, ça faisait trop avec tous les sports qu'il y avait en STAPS. Puis bon, c'était quand même les études, quoi. On peut plus gruger et dire je fais pas les 3 fois 500 parce que j'ai pas besoin de m'entraîner. Ouais, exactement. On découvre la boxe, le volley, là on y va. Puis je prenais ce plaisir quand même à faire tous les sports, quoi. À être plutôt multisport que forcément que dans l'athlétisme. Ah, c'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette raison-là que tu as commencé jeune? Donc, en fait, en gros, un peu focalisé que sur une discipline, ça te bride un petit peu et puis tu as envie de passer à autre chose à un moment donné, quoi. Ben, clairement, j'ai arrêté parce que bon, je suis très compétiteur et du coup, quand j'ai vu qu'avec STAPS, le plaisir que je prenais dans tous mes entraînements de tous les sports et l'athlétisme, j'arrivais plus à battre mes records. Enfin, j'arrivais pas à m'entraîner pour battre mes records. Et puis, c'est vrai que, bon, même si c'est un petit niveau, mais quand on fait 4-4-3 au 1005,
faut quand même bien s'entraîner pour descendre en dessous des 4, quoi. Ouais, donc pour grappiller quelques secondes, tu vas devoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et puis voilà. C'est ça. Et du coup, je prenais plus tellement plaisir à aller à l'entraînement pour faire. C'est ça, la dernière année, quand je fais 4-11, ça ne m'intéresse pas, quoi. Enfin, 4-11, une 58, 59 au bison. Enfin, je prenais plus plaisir, quoi. Je prenais plus plaisir de la course au chrono et tout. Et donc, j'ai décidé, d'avant que ça soit trop tard, d'arrêter, quoi. D'arrêter. Okay. Et puis c'est là que j'ai passé mon diplôme de coach, justement, parce que je voulais rester dans le sport. C'est là que j'ai découvert la muscu pure. J'en ai fait un an, deux ans. Et après ça, pareil, il me manquait cette petite compète, quoi, parce que bon, il y en a un du powerlifting et tout, mais ça me convenait pas, quoi. Ça me convenait pas. Et là, j'ai découvert le CrossFit. Et là, très très grosse surprise. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Tu t'es dit, c'est un mélange de tout. Je peux faire du travail d'endurance, de force, etc. Force, haltérophilie, gym, cardio, tu mets tout, tu vas en compète. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Je me suis dit, on se lance là-dedans, quoi. Et je me souviens, première séance d'essai, j'arrive mes baskets de course à pied. Je me suis dit, c'est bon, c'est du cardio, j'ai du cardio. Je me suis pris monumental. Je me souviens encore, il y avait des box, il y avait de l'éco-bike et tout. Je m'en suis souvenu, quoi. Je m'en suis souvenu. Et là, mais indirectement, je me suis dit, en fait, je n'ai pas une bonne condition physique, quoi. Je pensais en avoir une grâce à la course à pied. Après, j'avais arrêté deux ans. Mais en fait, je ne suis pas complet, quoi. C'est bien ce que tu dis, là. C'est bien ce que tu dis. Parce que souvent, on a tendance à croire que… En pratiquant un sport, et notamment le sport d'endurance, on néglige, si on ne fait pas d'autres choses à côté, notamment du renforcement, et on va y venir après, c'est, on néglige toute la globalité du corps humain, quoi, en fait. Hein. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais un vélo, une boxe, et puis j'étais rétamé, quoi. Alors que, je courais bien, j'avais un bon cardio. Et là, c'est ça, c'est cet aspect beaucoup plus fonctionnel, en fait, beaucoup plus polyvalent. On va dire que la méthode CrossFit, grâce à ça, tu es un peu capable de tout faire, dans des limites, quoi. Mmh. Mais, disons que demain, si tu sais nager, que tu vas aller faire un triathlon, ça passe, quoi. Maintenant, est-ce que tu penses que, en discutant avec… avec mon associé Pierre, là, il me disait que justement, dans le CrossFit, ce qu'il pouvait voir, justement, tu vois, c'est que les personnes qui s'ancrent juste sur le CrossFit, au contraire, ont peut-être des capacités d'endurance qui sont moins importantes après, s'ils doivent courir, par exemple, tu vois. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai. Il y a le CrossFit et le CrossFit, quoi. Déjà, il y en a plein qui appellent CrossFit, qui ne font pas du CrossFit, mais plus du cross-training et tout ça. Ouais. La méthode vraiment CrossFit, elle est vraiment fonctionnelle. Donc, on peut courir avec. Maintenant, je pense que ça dépend beaucoup de la morphologie qu'on a en arrivant. C'est vrai que moi, je suis arrivé dans le CrossFit, on va dire, en étant athlète course à pied. Donc, forcément, dès qu'il y a du run, on va dire presque je récupère dedans, quoi. Ça va. Ouais. T'es plus à l'aise. C'est ça. Dès qu'il y a de la barre lourde, voilà, je me fais manger dessus, quoi. Et souvent, une partie de la population vient soit de la muscu pure, c'est des prises de masse, des machins. Ils viennent de là, donc en fait, automatiquement, ils sont forts, ils ont du muscle, mais ils ont beaucoup moins de cardio. Et on va dire que un athlète complet, il peut vraiment tout faire de base comme ça. Maintenant, ça dépend vraiment beaucoup de… comment on s'entraîne aussi, combien de fois, quelle filière, il faut que tout soit adapté, quoi. Si on fait que de l'haltéro, ça ne marche pas. Bien sûr. Que du bike et du run, ça ne marche pas non plus, quoi. C'est un tout. Après, ça a ses limites quand même. Hein. Tu ne t'inscris pas à un ultra en faisant juste du CrossFit. On est bien. Voilà. Ouais, je m'en suis rendu compte. J'ai essayé, pas sur un ultra, mais j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Ouais. Et justement, là, tu parles de trail, d'ultra, etc. Comment et pourquoi tu as basculé vers un petit peu la pratique du trail, justement, plus récemment, là, en faisant des distances. Au début, je te voyais faire des 15, 20 km, 30 km, puis tu as été jusqu'à des 70, hein, c'est ça ? 70, ouais, c'est ça. C'est voilà, ça. Et là, tu prépares quoi ? Je prépare un 105, 108, je crois, d'après le parcours, un bail UTMB, donc c'est le Mozart 100 bail UTMB. Ouais, un sacré parcours, hein. Ouais, sacré parcours, sacré challenge.
C'est dans un mois, ça, hein? C'est dans un mois pile, dans 30 jours, quoi. Donc, Ok. Et comment tu as basculé alors à ce moment-là et en ben là, c'est un ancien ami de l'athlétisme que maintenant j'ai en client aussi, Alexandre, qui m'a dit un jour, Ouais, je connais, ouais, je connais, ouais. c'est ça, Alexandre, on a dit, oh, viens, on se fait un petit trail là, dans les Vosges, c'est pas long, c'est 35 ou 32. Je me suis dit, oh, vas-y, go, on y va, quoi, je suis capable, je fais du crossfit, j'essaie un peu. Donc, mais alors vraiment le débutant quoi. 2 semaines avant, je vais acheter une paire chez Run Green. Une semaine avant, je m'achète un gilet parce que j'ai appris qu'il fallait un gilet pour s'hydrater un peu quoi. Et puis voilà, on est au départ du 32 à l'Infernal Trail des Vosges. D'ailleurs, qui est super, Ça a super. été difficile alors. Ben écoute, dans l'ensemble, on va dire que les 20 premiers bornes, nickel. Je me suis dit, bah, j'ai rien perdu de la course à pied, je suis trop bien, je fais que de remonter et tout. Et après, j'ai découvert les crampes. OK. Les crampes, juste après le ravito du kilomètre, ben, écoute, 21, 22, et j'ai clairement fait les 10 dernières bornes en marchant. Et pour te OK. donner un peu l'allure, parce que du coup, je n'avais pas encore de montre GPS et tout à l'époque-là. J'ai fait le 32 bornes 1002 D+ en 3h27, si je ne me trompe pas. Hey, pour un premier, c'est plutôt pas mal, hein? En marchant les 10 dernières bornes, quoi. Donc là, on s'est vraiment dit avec Alex, on est vraiment parti comme des balles, ça ne servait à rien. Ouais. Et puis certainement, tu vois, ça c'est ton côté athlétisme. Ah ben Ça, ça, enfin, je veux dire, c'est compliqué quand tu as fait un sport comme ça. Il y en a beaucoup qui viennent, tu sais, du foot ou du 10 km, etc., où tu es habitué à être quand même à des variations de très haute intensité, etc. Et c'est compliqué des fois de se réfréner et de se dire, ben, je pars pour quelque chose de plus long, donc je dois gérer davantage mon effort, quoi. exactement, exactement. Parce que tu es là, tu as la musique du départ, enfin, dans les ambiances là, l'Infernal est top là-dessus, tu as une Ouais, bonne c'est vrai, musique. c'est vrai. Et puis tu te dis, bon, bah, go, quoi, je pars. Et en fait, tu as le réflexe de partir comme en cross, quoi. Enfin, maintenant, je l'ai moins parce que j'ai mieux compris comment il fallait Ben là, partir. c'est un cross long, hein, du coup, hein, 32 bornes. Un bon cross, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, en plus, tu es au stade. Bah, d'ailleurs, c'était une bonne anecdote parce que c'est le stade où je me suis qualifié pour les France. Des bons souvenirs, quoi. Et puis je me dis, oh non, je pars vite, je me place. En fait, ça sert à rien de se placer. Non. Les premières côtes, on les monte en 5 au kilo, en bombardant. Bon, derrière, on a tout payé, quoi. Mais c'était cool, c'était cool. Et j'adorais, quoi. Et J'adorais. donc là, tu t'es rendu un petit peu compte que tu avais certains manques alors dans la spécificité de la C'est ça. discipline, malgré ta préparation quand même physique où tu faisais ben, régulièrement du crossfit, de Ouais. la musculation, etc., etc. C'est bon, la mauvaise gestion de course, c'est sûr. J'avais fait un footing avec les nouvelles baskets, donc en fait, j'avais vraiment pas de course à pied. Et donc, j'ai décidé d'aller sur un 36, c'était le Trail des Lumières, 2 mois après, je crois, à Nancy. Et je me suis dit, oh là, je fais quand même deux, trois footings histoire de profiter du truc, quoi. Parce que bon, avoir les crampes tout le temps, c'est marrant 5 minutes, mais. Justement, ouais. Tu profites pas trop, quoi. Tu profites pas trop, quoi. Et puis, bon, c'est passé, pas de crampes et tout. Mais bon, pareil, mauvaise gestion, quoi. Je pars beaucoup trop vite, je sais Ouais, plus bah, quoi manger. C'est. ouais, et puis ça, on l'oublie, c'est-à-dire que tu vois, des épreuves. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu aussi à négliger, à se dire, oh, bah, c'est qu'un 30 km ou c'est qu'un 40 km. Bah, c'est déjà des distances. Allez, enfin, il y a quelques années, tu disais que tu faisais un marathon, enfin, on te prenait pour un extraterrestre, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus banal, mais. Oui. Ce que je veux dire là, c'est que on ne peut pas que compter en fait sur ses capacités physiques, tu vois. Non. Sur des épreuves comme ça, c'est multifactoriel. Il y a, voilà, comme tu l'as dit, la nutrition, la gestion de la course, comment tu as été préparé en amont. Donc, c'est des fois compliqué, hein, quand même, hein. Oui, ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, quoi. Après, bon, la saison est passée. Et puis, ben, j'ai adoré. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais me mettre un peu sur plus long, quoi, pour tester. Parce que, du coup, enfin, c'est ça, je suis toujours très compétiteur et je sais pertinemment que je ne vise plus du tout la gagne d'un trail, d'un chrono. Enfin, j'ai pas envie de m'entraîner pour ça parce que j'adore le crossfit et tout aussi, mais j'ai besoin d'un challenge perso qui me challenge, quoi. Qui soit difficile mais atteignable quand même, quoi. Et donc je me OK. suis dit, ce que j'ai trouvé comme meilleur compromis et j'étais vachement enthousiaste là-dessus, c'est de trouver un trail un peu plus long. Parce que du coup, j'étais au départ en mode, je sais pas si je suis capable d'aller au bout, quoi. Alors je me préparais quand même. Maintenant mieux, avant bof, quoi. Mais le challenge, c'était ça. C'était terminer mes courses, quoi.
Et en fait, j'étais un peu dans la surenchère de bon, bah, j'ai terminé à 36, bah, je vais sur 45. Ah, bah, 45, comme tout le monde, ouais. Hein, je vais sur 68. Et puis là, en janvier, je me suis dit, oh, bah, allez, on fait quoi cette année? Bah, je me suis inscrit sur le tirage de la OCC à Chamonix. Ouais, bon, j'ai pas ouais. été tiré. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va chercher un 100, quoi, mais en se préparant bien, correctement, quoi. Donc, c'est un sacré bel objectif, hein, de passer le cap des 100. Ouais, c'était... Ouais, donc, bien sûr, j'ai quand même réduit le crossfit, forcément. Je me suis vraiment entraîné beaucoup plus intelligemment cette fois-ci, avec une progressivité, des petits trails de préparation, des 15 bornes à Verdun, voilà, du vélo, de la sortie. Ouais, vraiment, tu fais du vélo, ouais. Et tout. Je pense qu'il manque des bornes de course à pied, ça c'est sûr. J'en fais pas tellement, hein. je tourne à 50-60 bornes semaine, quoi. Scrupuleusement en course à pied, tu fais 50-60 km. C'est ça, voilà. Dans les bonnes semaines d'entraînement, je fais 50-60 courses à pied, environ 1000-2005 des plus, quoi, ça dépend des séances. Ouais. Je tourne environ à 60-120 bornes vélo. Souvent, c'est du vélo taf ou alors du vélo. Ben, moi, j'ai un biker concept 2 chez moi le matin, c'est à jeun avant les coachings un peu. Voilà. Et puis, 2-3 crossfit pour toujours ce renfort musculaire. En fait, je fais ma séance de crossfit et derrière, un peu de spécifique. La stabilité okay. cheville, la stabilité hanche, les choses comme ça pour être logique, quoi. Pour okay. être logique. Ok. Un peu de prépa mental aussi, très important. Ok. Okay. Très important. Pour moi, bon, il faut que le corps soit prêt, mais si ta tête est prête au départ, tu pars déjà dans un bien sûr. Bon mood. Tout à fait. C'est chaud, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais... aujourd'hui, c'est toi qui te gères au niveau entraînement ou tu as recours à quelqu'un? Ouais, c'est, donc, tu fais tout ton planning. C'est ça. C'était aussi mon challenge. Alors, non, il y a juste le CrossFit. Le CrossFit, ce n'est pas moi qui gère. J'ai payé c'est pas un coach, mais une programmation, en fait. Vu que dans le CrossFit, on prépare un peu tous les mêmes compètes, si tu veux, il y a un coach qui fait la même logique d'entraînement pour tout le monde et qui tape les charges. Donc, j'ai payé un coach là-dessus. Je suis super satisfait. Ça fait déjà un an que je suis la programmation là. Je ne me blesse pas. Voilà. Bon, c'est le principal alors. C'est le principal. C'est ça. Et après, bah, moi, en tant que coach aussi, je sais quoi enlever. Parce que si tu veux, la programmation, elle fait 4 entraînements semaine. Donc, je sais ce que j'enlève. Quoi. Je sais ce que j'enlève. Quand il y a du fractionné à vélo, je l'enlève. Quoi. Okay. Tu continues quand même à faire tout ce qui est… je parle en course à pied… des séances spécifiques, je sais pas moi, VMA qu'on appelle, seuil, séance de côte, etc. ou pas? Oui. Là, là, à un mois de l'échéance, j'axe un peu plus sur vraiment, on va dire, l'allure ultra. Donc, bien, ouais. Là, par exemple, le week-end dernier, voilà, j'ai fait un 32-2005, que de la marche avec bâton en montée, que de la descente en course sans bâton. Voilà, je fais ça en 5 heures, tu vois, donc c'était pour. Vraiment de l'allure que je gère, ouais. qui me met en difficulté. Quoi. Et tu as travaillé ton spécifique plus en amont, c'est ce que je préconise aussi, c'est-à-dire plus on se rapproche de l'objectif, plus on va travailler le spécifique qu'on va retrouver dans son épreuve sportive, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai commencé en juillet, je me suis préparé sur un 10 km off pour voir où j'en étais. Ça fait combien du coup? De mémoire, 37-32, je crois. Mais en fait, je me suis dit, je vise 39, parce que je ne savais pas du tout d'où je sortais. Donc, je suis parti à l'heure 39, et les deux derniers bornes, j'ai envoyé un peu, et j'avais encore du jus. Donc, je me suis dit, oh, c'est pas trop. En off, en janvier, après les fêtes, c'est pas mal. C'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop mal. Et puis après, ben, c'est ça. J'ai pris le calendrier. J'ai mis le week-end du Mozart 100, donc le 18 juin. Et puis, j'ai commencé à calculer un peu mes cycles d'entraînement. Je suis revenu en arrière, je me suis dit, là il faut une course de prépa. Et puis j'ai été en progressif, donc d'abord Verdun, 15 bornes, 250 des plus, je crois, ou 300. Bon, ça m'a bien rappelé les crosses, c'était vraiment cool. Ça partait vite, c'était cool. Mais voilà, et puis là, ben, Verdun, ça bien, je suis 5e, je crois que je suis en 1h09, donc j'étais content, quoi, ça a bien plu. Derrière, ben, je fais les Vosges, Trail des Roches, 42 000, ça c'est un bon test, 42 000, un ravito, bon là c'était de l'eau, cause Covid,
Mais voilà, donc super bien. J'ai mis 4h42. Ok. Et Oui. là, tu vas monter enfin jusqu'à quelle di là tu ne vas plus faire de très longues distances alors encore ou pas? Là, écoute, bah, Je tout justement, vois. super. Je pars demain au Havre. J'ai tenté, voilà, c'est mon choix de partir sur un dernier trail de prépa, c'est un urban trail. C'est un 42 bornes, 42 002. En fait, je joue un peu la sécurité au point de vue de l'impact musculaire. J'avais peur de. J'avais déjà fait une cheville l'année dernière, mais Ouais. j'avais pas envie de me faire une cheville à un mois de l'Autriche. Alors, ça se trouve, j'en ferai une sur un pavé, quoi. Ouais. Mais là, c'est du sentier. Si le parcours de santé, c'est de la route. Donc, j'y vais en mode sortie longue, en gérant les appuis pour pas me blesser, quoi. OK. Voilà. Mais sinon, pas plus long. Pas plus long. Voilà. Après, j'ai fait des spé côtes, 2005 côtes d'affilée, Non, mais sur des bonnes. C'est bien, quoi. c'est bien C'est de bien. voir les différentes manières parce que tu vois, typiquement, bah, certains pour préparer une épreuve comme tu prépares, ils se diraient, bah, alors, il faut que je borne, en gros, tu vois. Oui, Mais c'est ça. la tendance est un petit peu en train de changer quand même, à se dire que dans les sports d'ultra-endurance, il n'y a pas que la borne qui compte, en fait, en gros. Non, non, c'est ça. Et que c'est ce que tu y mets dans la borne aussi, tu vois, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Et puis, si je peux me permettre là-dessus, je suis vraiment amateur, quoi. Donc, je veux dire, on n'est pas là en train de. Enfin, je ne vise pas le top 10 en Autriche, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, des personnes qui visent ça ne peuvent pas tourner à 50, 60 bornes semaine. Non, non. Il faut plus de volume, il faut plus encaisser, ça c'est sûr. Mais tout dépend de notre objectif. Moi, c'est prendre du plaisir, finir la course, et derrière, pas être fracassé pendant 3 semaines à un mois. Donc voilà, je pense, en tout cas, je fais le pari, je pense que ça suffit. Je sais que la tête est prête, le corps aussi, quand je fais mes séances de côte, bah, grâce au renfort qu'on va parler, les côtes sont à Passe mon beaucoup allure. mieux, quoi. Sont faciles. Les Okay. descentes un peu moins, mais les côtes sont faciles, quoi. Pour moi, les côtes, enfin pour moi là-dessus, en perso, c'est dans la tête, quoi. Tu marches, tu as les bâtons, tu montes, et puis c'est tout. Ok. Puis quand tu arrives en Ok. haut, tu changes d'allure, quoi. Mais c'est vrai qu'on coupe un peu le cerveau là-dessus. Après, chacun est différent, quoi. Bien Chacun sûr, est bien sûr. différent. Mais ce que tu disais là, par rapport justement. Ça, j'aimerais qu'on y vienne par rapport à l'intérêt justement de la musculation, tu vois, pour préparer ce type d'épreuve. Parce que, tu vois, moi, les athlètes que j'encadre, certains enfin, rechignent un petit peu Oui. à vouloir faire du renforcement musculaire, etc., etc. Donc, toi, est-ce que tu trouves que c'est indispensable d'avoir recours à de la musculation ou simplement du renforcement musculaire? Et qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois? Parce que là, tu nous as parlé avant de CrossFit, de musculation pure. Est-ce qu'il faut travailler? On entend tout un petit peu et n'importe quoi. Est-ce qu'il faut travailler davantage la force, des séries courtes, des séries longues? Enfin, explique-nous un petit peu, toi, ta manière de penser par rapport à ça. Ben, ma vision là-dedans, alors c'est vrai que indispensable, non, je dirais que rien n'est indispensable, mais fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Disons que déjà, je pense que le premier bénéfice, ça va être d'éviter les blessures. Parce que c'est vrai que la course à pied, en tout cas, le vélo, je pense que c'est encore différent. Je ne m'y connais pas assez dedans, mais la course à pied, c'est quand même traumatisant. On a un impact au niveau, voilà, mollet, au niveau des chevilles, des articulations. Bien sûr, ouais. On a un bon impact. En plus de ça, on va dire spécifiquement dans le trail, on a quand même le terrain, bah, qui n'est pas lisse, quoi. Ce n'est pas de la route. On n'est pas en chaussures carbone 10 km tout droit. Donc c'est vraiment instable. Donc le corps est constamment en train, en fait, de jouer avec l'équilibre, d'amortir le poids du corps. Donc il y a Et quand même puis il y a des ces grosses. contraintes, il y a ces contraintes excentriques aussi vis-à-vis des descentes, tu vois. Voilà, c'est ça. Lui, surtout les descentes, là je parlais des montées, mais donc on va dire les montées sont importantes à travailler, mais les descentes aussi. L'impact, il est quand même assez violent sur les descentes, quoi. On peut Exactement. vite cramper ou se faire une contracture dans les descentes. Donc voilà. Après, même dans le renfort cheville, donc on va en parler, mais ça peut me permettre de prendre confiance. Là, à titre personnel, alors. Jamais fait de sang, peut-être que ça ne marchera pas, mais mentalement, je me sens avec un corps solide.
Je me dis, il manque peut-être des bornes en course à pied, ça je pense, mais la tête et le corps sont solides. Donc, tu trouves que tu es résistant déjà avant. Ouais, il est très résistant. Et d'ailleurs, par rapport à quand je faisais de l'athlétisme, je me sens beaucoup plus, on va dire, nerveux au sol, donc je vais moins vite, mais la puissance, elle est là. Et ça, c'est grâce à la muscu CrossFit, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a que ça qui a changé entre avant et maintenant, quoi. Donc, ouais, la puissance peut être améliorée, l'endurance musculaire peut être améliorée, les blessures peuvent être évitées. Risque zéro n'existe pas, mais on peut vraiment les éviter. Et puis après, confiance en soi. Niveau prépa mental, ça peut bien aider aussi. Savoir qu'on a un corps résistant et solide au départ, c'est toujours important, quoi. C'est toujours important. Et quelqu'un qui préparerait, par exemple, une épreuve comme tu fais, une épreuve d'ultra-endurance, ou voire plus, hein, UTMB ou autre, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire du crossfit, de faire de la musculation pure, c'est-à-dire, tu vois, avec des machines et travailler vraiment la force pure sur des répétitions courtes, par exemple, ou alors de faire du cross-training, comme tu l'as dit tout à l'heure, etc. Ben, là-dessus, alors, muscu ou crossfit, on va dire ce qu'il faut éviter en muscu, pour moi, c'est ma vision, c'est les machines. Parce qu'en fait, ouais. Les machines, selon moi, alors ça, j'ai appris ça avec le crossfit et tout, c'est qu'en fait, on s'assoit sur un banc et on pousse une presse, par exemple. Mais en fait, cet impact, alors il a un impact musculaire qui est intéressant, mais le corps sera jamais dans cette position et dans cette contrainte-là en course à pied. Alors que un squat, par exemple, avec deux kettlebells ou des choses comme ça, on met le corps un peu en instabilité et on oblige le corps à utiliser également ce qu'on appelle un peu le corps, abdos, gainage, lombaire, ouais. Et tout ça, on l'utilise. Ça, c'est sûr que dans le crossfit ou le cross-training, on l'utilise beaucoup plus avec des mouvements fonctionnels qu'en muscu pur. Maintenant, le squat, on en a au crossfit. C'est de la muscu aussi. Oui. Ça se rejoint. Mais je dirais éviter les machines pures. Éviter. Je ne les conseille pas. Ouais, les leg curls, les choses comme ça, quoi. C'est ça. Voilà. Ça, c'est cool. Mais je trouve que, en fait, c'est de l'isolation. Et dans un trail, quand on court, que ce soit montée, descente, on n'a jamais d'isolation. On n'a que, on va dire, du polyarticulaire. Tu as tout le temps plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires qui sont impactés, tout le temps, quoi. D'ailleurs, tu as tout le corps. Les épaules, un peu moins, mais on va dire qu'au niveau de la ceinture abdominale, jusqu'en bas du corps, tu as tout qui travaille tout le temps, fessiers et tout ça. Donc, en allant faire des entraînements où tu travailles tout, en même temps avec des mouvements fonctionnels, je trouve ça vraiment intéressant. Et de plus, petite particularité sur le cross-training ou crossfit, c'est qu'on travaille souvent sous fatigue. Par exemple, on va aller, ramer une minute et faire nos squats. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, ton renfo, le rameur est aussi un renfo, mais tu l'utilises sous fatigue, avec un cardio qui peut être haut, avec une résistance mentale qui est déjà un peu enclenchée. Et donc, on retrouve un peu, alors, pas l'intensité de course, parce qu'on n'est jamais, en tout cas, notre niveau de nouveau, à 180 BPM minute dans un ultra. En tout cas, pas moi qui vise le finish. Mais le travailler sous fatigue, ça peut être intéressant. Faire des méthodes d'entraînement, alors, ce qu'on appelle des EMOM dans le crossfit, où on part toutes les minutes, ou toutes les 2 minutes, par exemple, ça nous oblige à repartir. Donc, mentalement, ça nous aide aussi. Okay. L'impact musculaire, il est intéressant sous fatigue, quoi. Ça, c'est ce que j'apprécie de là-dedans, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, alors là, tu nous as parlé du travail, je suis d'accord avec cette vision-là, quand même, tu vois, de dire qu'il faut travailler le corps dans l'ensemble, parce qu'en trail, justement, je te donne un exemple tout simple. J'étais il y a un mois, j'ai fait une petite chute à vélo, ouais. Et en fait, j'ai pas pu courir, j'avais encore mal en vélo, ça allait, ouais. Mais j'ai pas pu courir pendant 3 semaines, et j'ai repris hier, j'ai fait un footing de 30 minutes. Ouais. J'ai des courbatures de partout, pourtant je fais des distances énormes à vélo, ouais. Etc., tu vois. Donc, j'ai des courbatures au mollet, j'ai même des courbatures en bas des abdos. Alors oui, en courant, ça va super bien quand j'ai repris là. Bien sûr, hein, tu as une caisse énorme avec le vélo, tu as développé de la force et tout, tu as l'impression de voler, hein, ça c'est clair. Mais tu te rends compte que voilà,
La course à pied est quand même un sport complet, comme tu l'as dit, et complémentaire là, au CrossFit. Mais à contrario, quelqu'un qui préparait, par exemple, voilà, des épreuves d'ultra-endurance en cyclisme, par exemple, est-ce que c'est plus intéressant de travailler justement avec des machines, peut-être pour développer la force, tu vois, donc Avec, sur une répétition courte, par exemple? ouais, c'est vrai que sur le vélo, on est quand même beaucoup plus sur les jambes que même le gainage, quoi. Ouais, c'est plus concentrique, ça c'est Voilà. sûr. T'es plus dessus. Donc, on va dire que c'est toujours intéressant. Je maintiens mon idée de, on évite les machines. Par contre, on va pas forcément besoin, tu vois, d'aller faire du crossfit, du coup. Par contre, on peut faire, alors, ce qu'on appelle des lunges, des fentes, tu vois, des fentes. Du back squat, du front squat, donc barre avant, barre arrière, du soulevé de terre, mais tout ça à la barre pour quand même utiliser en fait ta puissance, on va dire, musculaire globale. Et l'impact musculaire sera beaucoup plus intéressant en faisant par exemple du squat que par exemple, du leg curl parce que tu vas utiliser beaucoup de choses aussi en même temps, quoi. Parce que même sur le vélo, bon, j'en ai un tout petit peu, mais quand tu as le quadriceps qui pousse, tu as également le mollet qui pousse aussi en même temps, quoi. Donc, ça peut être. Alors, les deux sont complémentaires, hein, ça peut être complémentaire. Mais c'est vrai que bah, depuis que je fais du CrossFit, j'ai quand même vu l'impact musculaire beaucoup plus intéressant en faisant du fonctionnel. Donc, utiliser son corps plus une charge additionnelle, mais libre. Et c'est toi qui la gères, la charge. Ok. Ça, c'est pas mal, quoi. Ça, c'est pas Donc mal. pas forcément, alors, tu vois, parce que ça, c'est un peu, bon, là, on a parlé avant du trail, on est dans l'escalade des distances, on se dit, bah, on fait un 40, on veut faire un 60, etc. En CrossFit, est-ce que tu retrouves ce phénomène-là aussi, de se dire, bah, je veux absolument plus charger, est-ce que c'est intéressant de mettre des charges lourdes ou pas, ou est-ce qu'il faut rester justement dans ce côté fonctionnel et bonne réalisation du mouvement, plutôt que de vouloir absolument charger? Alors ça, de toute façon, CrossFit ou muscu, c'est d'abord la technique avant la charge. Ça, OK. c'est sûr. Quand je coach, alors soit en perso, soit en boxe de CrossFit, quand je coach aussi au CrossFit à Metz, c'est quand il y a un débutant, c'est un PVC, on apprend le mouvement derrière une barre à vide, et si ça va bien, on charge. Mais dès que ça se dégrade, on enlève, on corrige d'abord le mouvement. Donc le mouvement avant tout. De toute façon, un mouvement entier, et ça, j'en avais parlé un petit peu avec la mobilité aussi, avec les Ouais. squats. Oui. Voilà, donc un mouvement entier avec une bonne mobilité aura toujours un meilleur impact musculaire qu'un demi-squat par exemple, trop chargé, parce qu'il y en a trop souvent en salle de sport, ils Oui. veulent charger et du coup ça donne des quarts, des demi de squat, et puis dès qu'on doit aller en bas, il n'y a plus personne, quoi. Donc, Ouais. Et puis on risque la blessure aussi en ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr, quoi. Après, je trouve intéressant de développer la force, ça c'est sûr. Pas rester que sur du, on va dire, du renfo cool avec, je sais pas moi, 4 fois 20 reps, des choses comme ça. C'est intéressant d'aller sur du 2-3 reps, toujours avec une belle technique, pour développer la force. Parce qu'au final, que ce soit même en VTT, ou j'imagine, j'en ai pas encore fait, mais des cols en vélo, tu as quand même besoin de puissance, de force dans la jambe, quoi. L'endurance, oui, ça c'est sûr, il la faut, sinon tu ne tiens pas, mais la puissance et la force, il en faut, quoi. Il en faut. Et à un moment, même sur, on va dire, quelque chose de progressif, si tu fais tes squats, qu'on appelle des air squats sans charge, à un moment, ça sera trop facile. Bien sûr, bien Et sûr. limite, il n'y aura même plus de renfo, quoi. Ça sera Ouais, naturel de se lever d'une chaise. Donc, c'est intéressant d'aller charger. et justement, par rapport à ça, bah, quelqu'un qui n'aurait aucun matériel. Ouais. Il n'irait pas en salle de sport, etc. Mais malgré tout, qui veut intégrer des séances, ben, de renforcement au poids du corps, Ouais. est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais? À quelle fréquence, par exemple? Alors, une fois par semaine, c'est très bien. Ouais. Et je pense qu'on peut, même dans les sports d'endurance là-dessus, on peut pousser à deux quand on est encore un peu loin de l'échéance ou Ouais. même proche de l'échéance, parce que comme ça, on va éviter un peu les blessures, on va éviter le dernier footing où on va se faire une cheville ou quelque chose comme ça. Alors, sans charger, hein, on ne charge pas la veille d'une Oui, course, quoi. oui, oui, Mais une fois par semaine, on va dire, pour moi, c'est indispensable quasiment. Et deux, ça peut être vraiment intéressant. Et après, même sans matos, alors là, il y a le sans matos, j'ai rien du tout, c'est largement faisable. Il y a plein d'options. Ben, je pense au squat, donc ce qu'on appelle les air squats, des squats sans charge. Une c'est un fois, peu de la pliométrie, quoi, en gros. ben, tu peux faire ça et tu peux rajouter la difficulté, par exemple, faire des squats à une jambe, ce qu'on appelle des pistol squats.
Ça, c'est balèze pour ceux qui ont déjà essayé. C'est costaud, ça développe bien la force, ça développe une bonne mobilité, c'est costaud. Les pompes, les abdos, on peut faire, et voilà, des sit-ups, il y a plein d'exos, et même sans charge, c'est très efficace, quoi. C'est très efficace, surtout pour commencer. Et après, il y a toujours la possibilité d'acheter 2-3 élastiques, quoi. Ouais, bah c'est ce que je conseille. Tu vois, typiquement, avec les athlètes que j'accompagne et qui n'ont aucun matériel, je leur fais faire une séance, on va dire, dans la semaine globalisée au poids du corps, tu vois, et une autre petite séance où on va juste travailler le renforcement abdos, gainage, etc. Tu vois, comme ça, on a deux séances qui sont, on va dire, complémentaires et ça ne charge pas trop parce que, on va dire, sur un format 30-40 minutes, tu peux déjà faire Ah mais vraiment beaucoup de choses quand même, tu vois. Donc, c'est intéressant. d'ailleurs sur les par exemple dans le CrossFit, ce qu'on va chercher quand même, donc la qualité de mouvement, mais c'est l'intensité. Et en fait, c'est pareil, une séance classique va durer 45 minutes, quoi. Et en 45 minutes, tu as fait ton entraînement. Moi, ce que je donne aux personnes que je suis là-dessus, en plus de leur séance de coaching dans ma box ici, c'est une séance de 20, grand max 30 minutes à faire chez eux. Mais et puis, c'est justement sur ce principe de j'ai aucun matos, j'ai un appart de 30 mètres carrés, je suis dans mon salon, et ben voilà, j'ai une séance d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est toujours ça de fait, ça fait pas de mal, ça évite les blessures, ça renforce. Enfin, il n'y a que du bénéfice, quoi. Il n'y a que du bénéfice. À condition que la technique soit belle, parce que c'est comme tout, on peut se blesser avec une mauvaise technique, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et si tu devrais conseiller un seul exercice fondamental, je sais qu'il n'y en a pas, mais si tu devrais dire, bah voilà, vous avez un seul exercice, c'est lequel qui serait le plus efficace, par exemple, pour faire du trail? Eh bien, allez, moi, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la box step-up. Donc, tu te prends une box assez haute et tu te fais du monté de box ou de la plio, donc sauter sur les box et tout. C'est assez intéressant. Tu vois, là, j'en ai une, j'ai l'ordi posé dessus. Elle fait 50 par 60 par 75, taille homme, taille femme, taille haute. Et ben, selon la morphologie de chacun et tout, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux. Et puis, tu as le concentrique sur le saut, tu peux le ralentir. Tu peux le ralentir en te mettant à côté de la box en faisant de l'excentrique. Là, je parle d'une box, mais un banc, une chaise, ça marche aussi, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et puis, pour ceux qui ont un peu de matos, bah, tu charges un kettlebell, tu charges un petit gilet lesté, une petite barre, et puis tu fais la même chose, quoi. Montée de box, descente de box, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ouais, on a Et ça moyen. sera. Disons que la box va surtout aider dans les montées. Les montées, parce qu'en fait, au final, c'est un peu du franchissement, quoi. Une box de 50-60 cm. Parfois, tu as des petits pierriers à passer. Tu as une côte à 20%, comme on a eu là pendant deux bornes à 20%. Tu montes, quoi. Tu montes, c'est pas mal de renforcer vraiment cette posture là-dessus, quoi. Et puis, l'excentrique, bah, tu peux le faire aussi, quoi. Ça, tu l'as un peu monté, mais tu peux largement le faire, quoi. Et qu'est-ce que tu penserais, tu vois, d'un peu ce qu'on appelle les séances, bah, ça s'appelle Mayo Cross Max, mais c'est-à-dire faire par exemple voilà, une séance de côte, tu arrives en haut, tu fais une chaise, tu fais un peu de squat, tu redescends, mixer un petit peu ça, tu trouves que c'est intéressant, ça va dans le sens du CrossFit du coup? Ouais, carrément, carrément. J'en ai mis d'ailleurs cette semaine pour mes clients. Tu vois, 7 fois 3 minutes, toutes les 3 minutes, 29 squats. Non, c'est super complémentaire, toujours dans cette façon de tu vas te fatiguer en course à pied, enfin, tu vas élever ton cardio avec un cardio un peu plus haut, tu te fais des squats. Tu plombes un peu tes jambes, tu redémarres la course à pied. Ce qui représente quand même un peu l'effet yo-yo dans les côtes, quoi. Un peu les singles, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Au final, c'est ça, quoi. Tu charges, et puis tu libères tout en descente, tu recharges, tu libères en descente. Ben, c'est la même chose. Donc, ça, ouais, j'aime bien ce type de séance-là. J'aime bien ce type de séance, quoi. Et souvent, alors ça, c'est ce qu'on, enfin, on a tendance à croire. On se dit, ben voilà, vu que je fais un sport qui nécessite l'utilisation de mes membres inférieurs, pourquoi j'irais entraîner, tu vois, mes biceps, le haut du corps, etc. Pour toi, c'est quand même indispensable de travailler dans sa globalité? Ah ouais, c'est indispensable. Et puis tout dans les bâtons après. Quand on n'a plus de jambes, on pousse dans les bâtons. Ah ouais. Les Non. fameuses courbatures au niveau des triceps parce que tu n'as pas travaillé justement le Ah, renforcement. et non, bah,
développer une partie musculaire, même du haut du corps, permet aussi, parce que si tu la développes, tu sais la relâcher. Très souvent, bah, d'ailleurs, j'étais le premier, quand je courais, que je terminais mes courses, j'avais les épaules au niveau des oreilles, en train de forcer comme un malade. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à muscler un peu les épaules, les pectoraux et tout, bah, j'ai appris à les relâcher. Parce que du coup, tu ressens les muscles, tu sais où ils sont placés, tu en as conscience, quoi. Et après, bah, ça va dans l'équilibre du corps. Exactement. Forcément, on peut travailler quand même un peu plus les jambes, les abdos, le gainage, parce que c'est quand même beaucoup plus utilisé que les biceps, mais c'est intéressant quand même de l'avoir, quoi. Typiquement, j'ai fait une sortie vélo la dernière fois, bon, petite, hein, 50 bornes, la position un peu aéro sur le vélo, bah, faut s'habituer. Exactement. Et deux, trois fois, je relâchais les bras parce que je n'ai pas l'habitude, quoi. Pourtant, j'ai le travail, quoi, mais c'est important. Ça, on néglige. Bah, tu vois, typiquement, quand j'ai fait la grosse épreuve de l'année dernière, la Race Cross France, bah, j'ai eu des douleurs au cou. Je n'arrivais plus en fait à me mettre en position aéro parce que, bon, là, c'est extrême parce que c'est des jours et des jours. Mais en gros, j'aurais renforcé cette partie-là. J'aurais peut-être évité cette problématique-là, justement, tu vois. Ouais, j'avais lu avec le casque et puis la lampe frontale, effectivement, ça faisait un poids non négligeable. Ouais, ça c'est sûr, sur 3 heures on sent rien, mais sur des jours et des jours comme tu as fait, ben, la moindre contrainte tu la sens, quoi. C'est, exactement. Ouais, donc globalement il y a beaucoup de bienfaits quand même à la pratique, ben, du renforcement musculaire, de la musculation, du crossfit, ben, voilà, tout ce qui est divers et varié, pour justement, ben, comme tu l'as dit, prévenir les blessures, se renforcer, avoir un corps résistant, etc. Je pense que c'est fondamental. Moi, j'y crois à 100%. Maintenant, c'est à tout à chacun, je pense, de trouver sa propre routine aussi par rapport à… C'est sûr que je pense que si on veut être un bon coureur à pied ou un bon trailer ou un bon cycliste, etc., il faut pratiquer la discipline. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Mais des fois, remplacer une séance à la place éventuellement d'un simple footing… Eh bien, ce sera peut-être plus intéressant de faire du renforcement musculaire ou de la PPG, comme on le dit, plutôt que d'aller simplement faire un petit footing, quoi. Oui, non, mais ça, exactement. Ça enlève un petit peu de volume et de contraintes et on n'a que des bénéfices de l'autre côté, quoi. Voilà. Le seul petit point négatif pourrait être que les 2-3 premières semaines, on peut avoir des courbatures. Mais après, ça part vite, quoi. Je veux dire. Bah, c'est comme tout, le corps, il s'adapte. Et oui, c'est comme tout. On en parlait avec le footing tout à l'heure. J'ai fait une séance de VTT, j'ai eu un peu de courbature, quoi. On n'a plus l'habitude. Donc, le corps s'habitue à tout, quoi. Il s'habitue à tout. Ouais. D'où l'intérêt de commencer tôt dans sa prépa. Exactement. Pas lancer un mois avant. Je vais faire un peu de squat pour voir ce que ça donne, quoi. Exactement. Là, ça risque d'être compliqué, quoi. Bon, tu as ton objectif trail cette année. Maintenant, j'ai une petite colle, c'est-à-dire si tu devais choisir un seul sport de ce que tu pratiques, parce que tu es multisport, si on te dirait maintenant, tu n'as pas le choix, tu dois choisir un seul des disciplines, qu'est-ce que tu ferais? Je fais du crossfit comme t'en fais tout. Ouais. C'est ça. Non, mais tu vois, alors là, j'adore la course à pied, mais je me suis mis un peu au vélo aussi, j'adore ça, c'est vraiment un tout, c'est… Le point commun, c'est la nature, quoi. J'adore aller en montagne et tout. Enfin, j'ai goûté aux vacances d'été en montagne maintenant depuis 2-3 ans. Oh, c'est trop bien, quoi. Tu fais tout au grand air, loin de tout, c'est bien. Et les plages ne me manquent pas, quoi. Non. Non, le petit foot sur la plage, c'est transformé en un petit VTT en montagne, quoi. Une petite session de trail et puis on boit un verre dans les refuges, quoi. Exactement. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. Et puis, t'améliores ta santé en même temps, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors sur ce Mozarsan? Bah, tu l'as dit, c'est toi, ton objectif, c'est juste d'aller au bout, mais indirectement. C'est d'aller au bout. Après, on va dire que finir dans un bon état, ça m'encouragerait pour la suite, quoi. Et puis non, là pour le coup, j'ai aucune pression de temps et de place, quoi. C'est mentalement, je le sais, il n'y a pas d'objectif caché de j'aimerais faire 15 heures, j'aimerais faire ça. Ouais.
Ah non, je suis conscient que c'est un gros challenge. C'est difficile, mais c'est atteignable. Et la clé de la réussite, ça sera la gestion. Et voilà, donc si je pars en gestion avec mon niveau actuel et que je ne me connais pas sur du très long, bah, je vais partir cool, quoi. Je ne vais pas viser un temps, ni une place, ni. Voilà, c'est. Non, profiter. De toute façon, c'est ça, on va profiter des paysages. Ça, on l'a bien compris, que ton leitmotiv aussi, c'est quand même le plaisir. Donc, Ah ouais, c'est. Si tu prends pas de plaisir, bah déjà, tu sais pas pourquoi tu t'entraînes. Et puis, si tu sais ah, pas pourquoi. exactement. Enfin, ça devrait être une corvée, quoi. Non, mais c'est ce que je dis toujours. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup avec ça, tu vois. Bah oui, bien sûr. Alors, c'est gratifiant quand tu fais des belles performances, etc. Mais moi, ce qui me guide vraiment, c'est sur toutes les épreuves où je peux aller, c'est vraiment, il faut que je ressente ce plaisir. Si je n'ai pas de plaisir, entre guillemets, la performance, elle va pas avec, tu vois. Oui, non, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que tu te prends au jeu, t'es bien dedans. Là, je le vois, en fait, je le vois même pas comme un trail ou un ultra-trail. Je le vois comme une aventure de Ouais. un jour, quoi. OK. On part pas dans les Vosges pour 40 bornes et puis 5 heures après, on a l'apéro, quoi. Ouais. Et là, limite, tu te dis à demain, quoi. Et puis, tu vas profiter Ouais. toute la journée. Donc indirectement, bah voilà, dès les premières heures, bien manger, bien boire, tu dois tenir, parce que, voilà, pas un jour, mais on s'y approche, quoi. Tu dois tenir ta journée, quoi. Exactement, exactement. Et professionnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est-à-dire, est-ce que tu as des objectifs encore différents de te former encore? Parce que Et ben... dans notre métier à nous, il faut se former, je dirais, de façon quotidienne, hein. Tu es obligé entre les lectures, etc., les études scientifiques. Enfin, bref, qu'est-ce que toi, tu as envie de développer encore dans ton activité? Et ben, moi, j'aimerais bien grandir un peu. J'aimerais bien grandir un peu. Alors, toujours rester dans le coaching perso, pour suivre les personnes vraiment là-dessus, agrandir et puis... Il n'y a pas vraiment d'objectif, je vis un peu là où la vie mènera, quoi. S'il y a du monde dans le trail, que j'adore le trail, ben on va sur le trail, quoi. Si demain je vais tester un peu de triathlon, machin, ben on va tester du triathlon, quoi. Voilà, c'est toujours un peu ce dépassement de soi que je peux apporter même aux autres, quoi, parce que on n'est pas des exemples, on n'est pas parfait, mais on doit montrer un peu voilà, que tout le monde est capable de tout. Voilà, donc c'est ouais, une réussite comme ça que tout le monde continue à trouver son bonheur là-dedans, dans le sport, dans le suivi, des suivis de qualité, quoi. Mais tu n'as pas forcément envie, peut-être, tu vois, d'embaucher des personnes qui t'épauleraient ou de grandir sur ce plan-là. Ouais, pourquoi pas? Il faut trouver les bonnes personnes là-dessus qui ont la même vision du sport et puis même enfin, du sport et de l'entreprise, d'entrepreneuriat que nous, mais ouais, pourquoi pas là-dessus, quoi. Je reste ouvert, quoi. Je reste ouvert là-dessus. Mais tu te laisses porter, c'est bien aussi, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours avec cette notion de plaisir, quoi. Si je fais ce métier-là, c'est parce que j'aime le métier, quoi. Donc, Exactement. voilà, si ouais, évoluer là-dessus. C'est important, hein, dans ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas, enfin, ça, tu vois, on parle du côté accompagnement purement et simplement où tu accompagnes la personne, oui, ça te demande un travail, mais ce qu'on oublie, c'est que ça demande aussi de l'énergie mentale, aussi. Énormément. Ça oui, ça j'en suis bien conscient là-dessus parce que j'adore mon métier, mais typiquement une journée comme aujourd'hui, j'ai commencé à 8h les premiers coachings. Là après le podcast, ben, je continue jusqu'à 22. Là-dedans, tu places un entraînement et puis à 22, ben, c'est pareil. Enfin, t'as pas mangé, tu vois, je me force à faire un petit peu de mobilité pour m'assouplir. Il est vite 22h30. Enfin, ça fait vite une journée extrêmement remplie, quoi. Okay. Donc, il y a toujours le plaisir là-dedans. Il faut savoir couper de temps en temps aussi. Voilà, se mettre un peu en off parce que sinon, tu deviens fou, quoi. Exactement, exactement. Mais ouais, c'est des métiers de passion, quoi. Tu fais pas 8-22 parce que c'est cool, quoi. Ouais, C'est parce tout que à fait. t'es dedans, quoi. T'es dedans. Et puis, quand tu discutes avec la dernière cliente, encore une demi-heure de plus, c'est parce que voilà, t'es passionné, tu l'aides, elle, tu sais que tu l'as aidée. Voilà, c'est un tout. C'est un tout qu'il faut trouver, quoi. C'est un tout qu'il faut trouver. Bon, bah, ce sera
Le mot de la fin, c'est-à-dire, voilà, on va rester là-dessus. On voit que tu es un passionné, que tu es guidé par le plaisir, que ce soit dans ton environnement et tes objectifs sportifs, que ben, dans ton développement de ton activité. Donc, on te souhaite pleine réussite, hein, et puis de continuer justement à prendre du plaisir, et puis ben, de rester comme tu es, c'est le Ouais, principal, quoi, tout à fait. voilà. Mais en tout cas, merci pour cette invitation. Ben, C'était merci à toi. On peut te retrouver sur Instagram, etc. exactement, exactement. Quentin Trébure Coaching, Instagram, Facebook. Voilà, Voilà. c'est des S'il y a des plateformes. gens qui veulent venir vers toi pour un coaching, etc., qu'ils n'hésitent pas, et puis s'ils ont des questions à te poser. Ah oui, voilà, pareil, même en coaching ou avec des questions en parallèle, avec plaisir, avec passion, je répondrai là-dessus, quoi. Ok, Quentin. Voilà. Bon, ben écoute, on va suivre tes aventures, et puis ben, je te souhaite pleine réussite, comme je t'ai dit, Eh puis je te bien, dis à bientôt alors. merci beaucoup, à toi aussi. Allez, salut.